biti bongera le ba por yo mampore me biti bongera le ba sal yo masale babi bele me tamanyen me yembombo ke babi hoyale me tamanyen me yelongo pana dile nini eh kera kola eh le me samba me chibe banga mitu tohala ki burba e ba solme male male dereng masuhu menoho ki ye ba yanme male male tohala ki ba ye ba nolme male male mechibu me pama menoho ki ye ba sokme male male men me ye mbale mbale e mbale e wiele mbale mbale e mbale e jale pa bumbori na kumase e besa kombuse énergie et mignon c'est la totale bientôt ton jugement final on va te ratatata balle au bosso si la zik est une compétition mignon va les jours sa qualification voilà ma nouvelle vibe quand même tu me diras juste que la musique et moi c'est juste une affaire de je remercie Ja il a le contrôle de ma life. La vérité finit par triompher. Anga imba ton opano. Nehi uberie. Ouest ou ouest be. La vérité finit par triompher. Ouye to hala ki ba ye ban solme. Tu me bereg me suhu. Tu me nago ki vi ba yanme. Tu me to hala ki ba ye ban solme. Me jogo ku me pama. Me nago ki vi ba nolme. Men me yimbale mbale. Mbale. Danse comment? Comme ça, comme ça, comme ça. Mignon ballet, danse comment? Comme ça, comme ça, comme ça. Mon frère, tu danses comment? Là-bas, comme ça, comme ça, comme ça. Ma soeur, tu danses comment? Comme ça, comme ça, comme ça. Mballet, oh, oh, oh. Ate, mama, eh. Mballet, oh. Ate, les gars, si, eh, ouais, ouais. Montre-moi que tu sais danser. Montre-moi que tu sais vibrer, oh, oh, ouais, ouais. Tu m'as donné tourner le dos, eh. Tu m'as donné tourner le dos. Tu es toi là qui va y avoir son nez. Malé, malé. Le père est comme un souffle, tu me n'as pas qui va y avoir. Malé, malé. Toi là qui va y avoir son nez. Malé, malé. Le jour où mes femmes me n'as pas qui va y avoir. Malé, malé. Mais me y est malé, malé. Malé. Est-ce qu'on peut accueillir, s'il vous plaît, Rose Tarbino? Tous. Madame Rose Weber. Sous vos applaudissements. Madame Rose Weber. Sous de la virtualité à la réalité. Sous vos applaudissements. De la virtualité à la réalité, c'est Madame Rose. Sous vos applaudissements. On n'a pas cru au départ. On a cru que c'était des buzz. Elle m'a contactée, elle a dit, maman, je suis tombée sur un carreau Cameroun. Je ne sais quoi faire. Je lui ai dit, Rose, si ce cœur dont tu parles, c'est un désastre, pour moi, ce n'est pas un désastre. Mais c'est un astre qui va permettre un jour qu'on puisse se réunir. Et vous êtes là ce soir, grâce à la rencontre entre Charles Sidiabel et Rose, qui n'avait rien demandé, juste les vacances au Cameroun. Elle nous a préparé un discours. Mais avant, j'ai la petite Rose ici avec moi, qui a préparé son discours pour sa maman. Je vous prie d'acclamer la petite Rose. Est-ce qu'on peut lui donner beaucoup de courage, parce que c'est pas donné. Tout ce qu'elle a, on le sait. Mais elle a tenu à rester là
pour dire un gentil mot à sa maman Rose, pour l'association qu'elle a pu créer, cette association qui nous réunit tous ici ce soir. Rose, est-ce que tu es prête? Oui. Bien, on va commencer. D'accord? C'est à toi. Chère maman, tu es brave et puissante. Ne renonce jamais à ton rêve, vieux maman. Ne te décourage pas à poursuivre ton rêve, réalise-le, maman. Ne laisse personne te dire ce que tu ne peux pas faire. Ne laisse personne te dire ce qui est impossible. Brave maman, brave maman. Ne laisse personne réduire ta confiance et ta sérénité en toi. N'hésite pas à braver les hauteurs de la connaissance. N'hésite pas à avoir le savoir. N'hésite pas à essayer de nouvelles choses. Car si tu n'essayes pas, tu ne seras jamais maman. Brave maman, brave maman. Que le ciel soit ta limite. N'hésite pas à effleurer le sommet des collines pour voir ce qui est caché derrière l'arc-en-ciel. Brave maman, brave maman. Tu es grand parce que tu es fort. Tu es vénérable parce que tu es sensible. Tu es naïf parce que tu as confiance. Tu as confiance parce que tu aimes. Tu aimes parce que tu es adorable. Tu es adorable parce que tu es une maman. Tu es une maman parce que tu es merveilleuse. Bravo maman, bravo maman. Tu es une maman, tu es une maman. Bonne fête à toi et les amis à toi. Bravo maman, bravo maman. Bonjour famille, bienvenue à la. Merci. Merci à la petite Rose. Félicitations. Des bras pour ta maman. Avocats et qualités respectives. Bonsoir. Permettez-moi avant tout propos de rendre grâce à Dieu qui nous a permis de nous réunir ce soir dans cette salle de l'escale à Strasbourg. Qu'il en soit infiniment et grandement loué. Aussi, l'association Rose Espoir à Jupette vous souhaite la bienvenue à cette occasion caritative, dite Charity Night, la nuit de la charité. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers partenaires, bénévoles, donateurs et sympathisants, au nom de l'association Rose Espoir Agipec et en ma qualité de présidente fondatrice, je voudrais vous réitérer nos sincères remerciements pour votre présence ici ce soir. Marque significative de votre intérêt et de votre engagement dans cette initiative. En effet, l'association Rose Espoir à Jupette voit le jour en date du 29 avril 2017 grâce à votre volonté de vous joindre à moi. Dans ce combat qui est de permettre à Charles City Abel de retrouver leur santé, enfant né sans ses parties génitales, et vivant autrefois dans la rue. Nous avons engagé avec votre concours de lui redonner sa dignité d'homme. L'historique que nous avons préparé vous sera diffusée tel que prévu dans notre programme. Merci pour votre soutien en ce grand rendez-vous de récolte de fonds pour l'évacuation sanitaire de Charles City Abel, âgé de 16 ans. Cette soirée est organisée par l'association Rose Espoir en Jupette, en collaboration avec des partenaires d'horizons divers et variés pour lesquels nous témoignons une fois de plus notre reconnaissance. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous voulons très sincèrement dire merci à chacun de vous, au couple Maison venu de la Suisse, parrain de l'événement, qui malgré favorablement, sans condition et sans réserve à notre sollicitation.
au ministère de la Santé du Cameroun, qui a pris en charge le billet d'avion de Charles City Abel. Aux artistes, musiciens, qui ont bien voulu nous prêter leur voix. Aux partenaires et bénévoles de l'association. L'association Entre nous de Strasbourg, à sa présidente, Madame Marie-Noël Eck, et toutes les associations ici présentes. À la maison des associations de Strasbourg, aux associations qui ont fait des dons de bouche, à M. Idriss Kalos Camille, DLK 10 ans, à sa PDG, Madame Biscotti Camiotic Lady, la marraine de la soirée, la princesse de l'Ouest, Nathalie Aubry, pigeon voyageur de Londres, Madame Christine Interprète, venue de Londres, ambassadrice des enfants démunis du Cameroun. Professeur au Rinoco Sinosi d'Allemagne. À Madame Sidonie Lefaou du restaurant Lorelin Mangatama. À Monsieur Trésor Tézégué et tout le chéri Trafougeois. À Madame Annie Boniface. Sans oublier à ma propre famille. À tous mes collaborateurs et l'ensemble des membres du comité d'organisation qui ont fait preuve de sacrifice pour obtenir le résultat actuel. Vos conseils avisés, votre sens de management et votre regard dans le travail nous ont été bénéfiques. En ce jour, et nous espérons que notre collaboration sera toujours fructueuse. Enfin, j'adresse mes remerciements à tous les donateurs d'ici et d'ailleurs, et partant des quatre coins cartoons. La récolte des fonds n'a toujours pas été évidente, chers donateurs. Ni le froid, ni la neige, ni la pluie, ni le vent, ni la tempête, ni le tonnerre, et encore moins le soleil ardent de l'été, ne nous a nullement empêché de mener nos actions, afin de subvenir aux besoins quotidiens de notre champion Charles City Abel. Chacun de nous a mis la main à la pâte. La récolte des fonds s'est faite aussi dans les réseaux sociaux, notamment Facebook, Liti.com, les chaînes de radio et télévision camerounaises, telles que Equinox TV, Canal 2, Vision 4, STV, Channel TV, Radio Miango FM, ainsi que les journaux locaux tels que les DNA et l'Alsace, la RBS d'Africa Move, Radio JC 66 en Suisse, pour ne citer que ceux. Grâce à vous, chers donateurs, bienfaiteurs et bénévoles, 14 000 euros ont déjà pu être versés au CHU de Strasbourg au titre d'avance pour l'opération de notre champion Charles City. Rappelons qu'il porte 12 couches par jour et à cela s'ajoute son entretien. Mesdames et messieurs, honorables invités, un proverbe passage dit ceci: la mouche qui tombe dans la sauce n'empêche pas la consommation. Nous implorons donc, par conséquent, votre indulgence pour toute fois qu'un manquement s'est produit ou se produirait dans notre organisation. Si nul n'est pas fait et que l'erreur est humaine, alors regardons ensemble dans la même direction et tenons-nous par la main afin d'améliorer nos faiblesses en force. Si nous pensons que nul n'a le droit d'être heureux tout seul, alors agissons ensemble pour le bonheur des autres et comme le dit notre slogan, un don égale une vie. Mesdames et messieurs, honorables invités, parmi les difficultés rencontrées dans l'organisation, je peux citer la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières. Cependant, nous avons tenu à optimiser sous contrainte humaine, matérielle, temporaire et budgétaire, notre engagement afin d'atteindre au mieux l'objectif de ce soir, récolter les 8157,41 centimes, restant sur le devis de 22 147,41
Merci pour votre coup d'engagement et votre couragement en notre vie. Mesdames et messieurs, honorables invités, avant de clore mon propos et enfin de vous permettre de connaître mieux l'association Rose Espoir AJPES, je voudrais vous lire la définition AJPES. AJPES signifie agir pour enfants démunis. Mesdames et messieurs, honorables invités, à la lecture de cette définition, je crois qu'on pourrait se poser la question: quel est l'objet et le but de l'association Rose Espoir AJPES? Notre association a pour vocation d'aider et de protéger les enfants les plus vulnérables en Afrique, d'aider les enfants les plus démunis à bien grandir sans faire de distinction de sexe, de race, de couleur et de religion, de s'engager pour le bien-être de chaque enfant, démuni, orphelin ou handicapé. L'association voudrait parvenir à la réinsertion sociale et éducative de ces derniers et leur apporter une réponse dans les six domaines fondamentaux suivants: santé, alimentation, eau, éducation, sécurité, hébergement. Nous restons convaincus que c'est par ce genre d'initiative où tous les acteurs de la société se retrouvent que nous parviendrons ensemble au développement de l'humanité. Nous espérons qu'avec le temps, nous serons compris et soutenus davantage, tout en croisant les doigts que cette soirée consacrée à Charles City Abel atteindra son but. Je vous souhaite de passer une agréable soirée du fond de mon cœur, de mon âme, de mon être, de mon esprit, bref, de tout mon être. Il serait juste et bon de vous présenter les membres de l'association et notamment son bureau. J'appelle donc la secrétaire, Madame Armel Bacham, vice-secrétaire, Madame Delphine. La chargée de communication, Madame Biscotine Camille. Le trésorier, M. Henri, ainsi que la présidente fondatrice, Rose Weber, à ma personne. Une équipe dévouée dans ce combat, à laquelle je tire mon chapeau. Merci pour votre aimable écoute. Puis ce 12 janvier nous conduise durant ces 12 mois vers une bonne et heureuse année 2019, pleine de réussite et de succès. Que Dieu nous bénisse tous et le combat continue. Une fois de plus, chers invités, bonne et heureuse année 2019. Je vous aime. Merci beaucoup. Thank you.
Demande va te combler. Le Dieu de Moïse, pardon, demande va
combler. Demandi va te combler. Demandi va te combler. Le Dieu d'Abraham. Là, nous avons le cash 1242 euros. Donc, est-ce qu'on peut applaudir maintenant? Et le chèque de 700 euros. 1942 euros. Donc, 42. On est à 1942 euros. On n'est pas loin de 8 000 euros. Parce que pour atteindre les 8 000 euros, faudrait déjà qu'on commence à effacer les gens. On compte sur vous pour continuer. Donc, la suite, je. Voilà. L'équipe d'avancée, qu'est-ce qu'on dit? On continue donc avec le champagne, la vente aux enchères du champagne. Ne l'oublions pas, c'est une soirée de reconnaître de fond. Bien sûr, avec un filigrane, tout ce qu'on a des yeux avec tout ce qu'on va continuer à vivre. Ah, tu t'es vendu à 170 euros. La bouteille de moins et chambon, le matin. On va vite. Ok, on va vite. Puisque personne ne dit rien, le champagne revient. Et j'invite Strasbourgeois. Représenté par toute l'équipe et surtout Monsieur Trésor, Monsieur Trimoy, à la personne de Stéphane. Oui. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Le restaurant. Est-ce qu'on peut applaudir? Trimoy. Pour vous, on applaudit pour Monsieur Strasbourgeois. 172 euros la première bouteille de champagne. La première bouteille de champagne. Eh bien, il est 6h du matin. Franchement, pour une première, Rose a fait très très fort. C'est vrai que la cause des enfants intéresse beaucoup de monde. Et puis voilà, on a fait le boulot. On espère que dans les jours qui viennent, Charles sera là. La soirée était très très, très belle, avec du beau monde. Les artistes étaient, voilà, on ne va pas les citer, hein, Olivier de Cloris, Bissok Solo, The Voice. C'est comme si on s'était dit, on s'est mis en route ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est le hasard des choses. Voilà. Donc, franchement, la soirée était très belle. Les amis étaient avec moi. Ils sont venus de partout, de l'Allemagne comme le professeur, de l'Angleterre comme Priscille Tepe, de la France comme Lynn Athios, et puis tout cela, je ne peux pas citer qu'ils me pardonnent, parce qu'il est quand même 6h, on est assez avancé, on n'a pas bu que de l'eau. On a contribué, on a participé, mais on a aussi bu beaucoup de liqueur, voilà. C'est Jean Lubesson, je ne me présente plus. J'appelle vraiment la diaspora à contribuer. C'est vrai, il faut vivre parce qu'on travaille aussi. De l'autre côté, on donne beaucoup. Mais quand il s'agit de l'humanitaire, il faudrait qu'on se bouge. Il faudrait qu'on essaye d'aider ceux qui n'en ont pas. Nous, c'est une chance d'être là. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons là. Alors, il ne faut pas qu'on casse le pont pour ceux qui sont derrière. Quand on peut, on le fait. On n'en voit pas voler, non. Mais quand on a 10 francs, on donne 5 francs, on donne 1 franc, c'est toujours quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Merci encore à Rose, merci à JPED, l'association qui a organisé cet événement. Merci à tous ceux qui sont venus, merci aux artistes. On espère que ce n'est qu'une première et puis il y aura une continuité. On est ensemble, one peace, one love, we are together. Jean-Louis Messand. Voilà, donc merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents ce soir et courage à Rose, courage à Charles et puis on t'envoie plein de bisous, on espère que tout se passera pour le meilleur pour toi. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité, je suis le professeur Rino Kozinosis Gabiam. Je suis d'origine togolaise mais je soutiens beaucoup les causes camerounaises. Vous êtes un peuple formidable, je vous aime, à part les domaines politiques qui ne me concernent pas. J'aime le domaine culturel de votre pays, beaucoup d'artistes, beaucoup de footballeurs qui ont fait émerveiller l'Afrique.
Donc je remercie M. Messang et sa femme de m'avoir fait l'honneur pour m'inviter à assister à cette soirée formidable. Ça m'a beaucoup plu. Donc je souhaite beaucoup de chance à Rose Weber, de fait pour que le petit chat soit dans quelques temps parmi nous. Et s'il y a encore mieux être la main à la poche, nous sommes prêts à le faire pour soutenir cette cause. Donc je remercie le peuple camerounais pour m'avoir donné cette chance de faire partie de vous. Donc disons à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, nous sommes très heureux, mon mari et moi, d'avoir participé à cette très grande cérémonie, c'est-à-dire cette œuvre caritative à l'endroit du petit Charles. Donc sa maman, Rose Weber, nous a contactés, qu'il fallait qu'on y soit. Alors, nous sommes très heureux. Franchement, moi, pareil, nous avons fait le déplacement depuis Paris et nous sommes arrivés et ça se passe très bien, franchement, pour une première soirée pour le petit Charles. Moi, je suis une chrétienne et je suis très croyante et je souhaite que vraiment cet enfant, comme tous les autres enfants qui se retrouvent dans cette même situation, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Voilà, Monsieur et Madame Choukoun, nous sommes là ce soir à Strasbourg pour cet heureux événement. Voilà, merci beaucoup. Merci, tu veux dire quelque chose, mon chéri? J'ai tout dit. Voilà, nous sommes heureux. Voilà. Merci beaucoup, merci Rose, merci au petit Charles. On attend vraiment de l'accueillir. Ok, à très bientôt, merci. Bonsoir, moi c'est Priscille Tepe, fondatrice de One Stop Fundraising en Angleterre. Je suis heureuse de venir supporter Rose pour la soirée de la récolte des dons de Charles. La soirée, elle était très belle, elle était super belle. Je n'ai rien à dire, que Rose continue et je souhaite le meilleur du monde à ce petit. Et mon rêve, c'est qu'il se fasse opérer en 2019. Bisous et bonne soirée à tous. Mignon balai danse comment, comme ça, comme ça, comme ça. Mon frère, tu danses comment là-bas, comme ça, comme ça, comme ça. Ma soeur, tu danses comment, comme ça, comme ça, comme ça. Balai wo, oh oh, ate, mama, eh. Balai wo, ate, les gassiers, ouais, ouais. Montre-moi que tu sais danser, yeah. Montre-moi que tu sais vibrer, oh oh, ouais, ouais. Je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé. Je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu.